Merci. Hello, hello. Bon retour sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis, les copines. J'espère que vous allez bien chez vous. Chez moi, c'est pas la grande forme. Bon, c'est vrai, il y a quand même la santé, mais je suis fatiguée. Je suis hyper fatiguée, je ne sais pas. Je suis même, en fait, le sentiment que j'ai, c'est que je suis épuisée. Je suis carrément épuisée avec bébé qui ne se sent pas très bien. Mes nuits sont, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai peur de frustrer les futures mamans ou les jeunes mamans. Parce que là, c'est chaud. C'est chaud, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Vous savez, bébé, elle a un an. Un an, youpi, gloire à Dieu, c'est elle qui marche partout. Et comme elle marche partout, elle ramasse les choses, elle met dans la bouche. Même les babouches, tu la trouves avec les babouches, elle est déjà en train de sucer le bas. C'est donc comme ça que, je ne sais pas moi, où elle s'est seulement infectée, ou elle a eu une bactérie dans le ventre, je ne sais pas. Je l'ai amenée se faire consulter. On lui a fait un examen de sel et on m'a demandé tout simplement de la parasiter et lui donner la solution de l'irritation orale. Donc je suis allée à l'hôpital, dans les dépenses de la consultation, les dépenses de l'examen, tout ce qu'on m'a prescrit, c'est quelque chose qui m'a coûté 1500. 1500. Je voulais d'abord lui donner 100, parce que ce sont des choses que je connais, par expérience avec mes deux autres filles. Mais je me suis dit, mince, elle vomit, elle fait les selles. Elle vomit, elle fait les selles. Elle vomit, elle fait les selles. J'ai dit, je peux traiter moi-même là. Après, je commence à dire que, j'ai dit, on parle hôpital. Donc, on m'a prescrit juste quelque chose pour la déparasiter, avec une prise, un flacon comme ça. Et la solution de réhydratation orale qui est juste les comprimés de zinc à casser, écraser, lui donner et un sachet à mettre dans son eau. Et c'est ce qu'elle a bu toute la journée. C'était pas facile pour qu'elle boive ça, mais oui, j'étais obligée de mettre dans son biberon pour qu'elle boive. Mais là, ça va mieux, elle marche partout là. Ça va mieux. Bye bye. Bye bye. Tu reviens. Bye bye. Donc, ça va mieux quand même. Je suis sûre que depuis 3 jours, là, elle a perdu même 2 kilos. Parce que vomir et faire les selles là, ça te déshydrate, ça te fait fondre. Même pour un adulte, c'est une situation qui fait peur en fait. Qui fait peur. Et pour les enfants, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle a mis dans le ventre et tout. Donc, voilà. Donc, pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 filles. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur ma vie de maman sans filtre. Vraiment, vie de maman sans filtre. Je partage avec vous sur ma chaîne mon quotidien, mon lifestyle camerounais, des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement de la maison, prendre soin de chez soi, des astuces, organisation et routine avec les enfants. Quand vous ne pouvez pas se placer. Tu montes déjà sur le canapé seul, on ne respire plus. Tu as quoi dans la bouche? Tu as quoi dans la bouche? Donne-moi. Eh, hey, Seigneur Jésus, la face a même pris ça où? Donc, voilà. Je partage avec vous ma vie de maman. Je partage également avec vous comment gérer sa ration alimentaire étant sur budget avec l'inflation, les difficultés. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager aussi. Car si ça vous a plu, ça peut plaire à quelqu'un autour de vous. Une maman peut s'identifier à moi. Aujourd'hui, là, je suis épuisée, je suis fatiguée. Je n'ai envie de rien faire. Vraiment, c'est journée flemme. Je me place devant la télé, je donne les tablettes et téléphone aux filles. Vraiment, je ne veux pas de mots de tête. Je ne veux pas de mots de tête. C'est vrai que quand on n'est pas d'accord, maman, on dit non, les écrans et tout. Mais il y a des jours, gars, rien que les écrans là pour nous aider à souffler un peu. C'est bizarre, vraiment, c'est.
quelqu'un va m'écouter et se dire, mais cette maman, vraiment, elle est irresponsable et tout. Mais gars, j'ai dit la vérité. Tout à l'heure, là, je donne la tablette à une, le téléphone à l'autre. Voilà déjà la télécommande dans mes mains. Moi-même, je me place là devant une fille. Bébé, je te nourris et tu n'as. Comme ça, ils visionnent tranquillement. Toujours en train d'avoir les choses dans la bouche. C'est quand même tout ça, eux. Je ramasse pour sécuriser d'abord mon argent. Et sécurise d'abord l'argent si ça peut se retrouver dans ta bouche. Bon, voilà donc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Je vous partage sans filtre ma petite journée de maman. Fatiguée vraiment, hein. Ça c'est... Vous êtes nombreuses à me dire, Nati, oui, tu bosses, tu travailles, ta maison est toujours clean, tu connais ton foyer, oui. Je fais l'effort pour donner le meilleur de moi. J'ai un sentiment souvent de ne pas être à la hauteur. Mais je suis arrivée à une conclusion que vraiment, ces enfants ont besoin de moi en santé. Il y a des jours comme aujourd'hui là, où je décide de ne rien faire. Dater tout, je ne touche pas. Je reste au calme là, je visionne, je mange et je dors. Aujourd'hui, ce sont les restes qu'on va manger. On va seulement chauffer les restes, essayer de compléter un peu là, voilà. Et on va manger. Donc, c'est ça. Ce n'est pas facile chaque jour. Hein. Ce n'est pas chaque jour qu'on a la motivation et la volonté. Et même si on a la motivation et la volonté, il est conseillé de se reposer. Parce que le corps, là, ça s'épuise. Il est conseillé de se reposer, de prendre du temps pour soi. Comme je ne peux pas sortir aller me balader avec les copines, je ne peux pas sortir aller prendre un verre parce que je suis foirée. Je ne peux pas sortir aller dans une nyanga balade un peu, je suis foirée. Donc, je reste avec les enfants. Parce que si je n'étais pas foirée, aujourd'hui, là, j'allais les porter, j'allais les déposer chez ma mère. Je ne peux pas me balader. Je ne peux pas tirer une copine. Il dit, viens même avec tes enfants, allons les déposer tous chez ma mère et on va se balader. Mais je suis foirée, donc je reste avec les enfants. Je passe une journée flemmarde à la maison et je vous dis, mes copines, si ça vous arrive d'être fatiguée, de ne pas pouvoir ranger la maison, reposez-vous et restez couchée. Le problème se pose quand ça dure longtemps. Le problème se pose quand on est flemmarde et bordelé carrément sur le temps. Mais il n'y a pas de problème quand ça dure. Oh, oh. Mais il n'y a pas de problème quand ça dure sur un jour, deux jours, le temps de se reposer, souffler un peu et revenir plus forte. Moi, je pense que c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez des avis différents. Ça m'aide aussi à apprendre. Ça m'aide aussi à comprendre ce que certains livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'état de votre maison actuellement. Est-ce que vous êtes clean, clean, rangé en ce moment? N'hésitez pas aussi à partager avec moi votre état d'esprit actuel. Parce que moi, je suis dans. Parce que moi, je suis dans. Ça ne va pas, en fait. Je ne sais pas que je suis malade. Mais là, ça ne va pas. Entre la galère, le foirage, l'épuisement, la fatigue, ça ne donne pas trop. Bon, on rend grâce à Dieu pour chaque jour. On dit merci pour la santé. Et aussi, je rends grâce à Dieu de vous avoir. Vous à qui je peux parler, je peux souvent venir échanger, vous raconter un peu ma life comme ça. Après, vous lire en commentaire, ça me met du chaud au cœur, ça me remotive, ça me permet de me relever plus fort. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour vos retours. Pour celles qui trouvent que je bavarde beaucoup là, vraiment, vous n'êtes pas au bon endroit, je suis désolée. Parce que parler souvent, c'est comme une thérapie. Ça aide à décompresser, ça aide à évacuer pas mal de choses. Ça aide même à déstresser. Donc, celles qui trouvent que je bavarde trop là, vraiment, on peut chercher le calme ailleurs qu'ici. Donc, excusez-moi. Hein. On peut chercher le calme ailleurs qu'ici. Mais mes copines là, celles qui savent de quoi je parle, celles qui peut-être vivent les mêmes choses là, n'hésitez pas à me dire un truc en commentaire. Oh, je rends grâce à Dieu de vous avoir. Et je dis merci à Dieu pour toutes les personnes que par ma chaîne j'ai pu impacter, j'ai pu toucher positivement. Je suis très touchée quand je parle de ça. Vraiment merci. Bien qu'étant imparfaite, il y a des gens que j'ai pu toucher, des gens qui reviennent inbox avec leur témoignage. Vraiment, je suis très contente. Très contente. Je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, bon, on arrête un peu avec le bavardage. On passe à autre chose. On change un peu de décor. Voilà. Et ma journée doit quand même continuer. Bébé. Hey, elle est où? Elle est où comme ça?
pardon, qui tue le fou. Pourquoi tu aimes ouvrir le fou là comme ça et... Hein? C'est parce que tu aimes, tu te... Et elle veut mettre quoi au feu. Va voir tes soeurs. Go, bye. Bye, Jaja. Bon, ici, je suis en train de chauffer les bâtons. Là, je n'ai pas mis d'assiette au fond, mais c'est pas bien grave. Après, je vais verser ça là-bas, laisser refroidir. Tout l'eau là va sortir. Donc, la mamie, là qui est déjà gâtée. J'aime trop la mamie ici, mais le couvercle qui est déjà gâté. Et ici, on a la pâte d'arachide. J'avais fait la pâte d'arachide pour le goûter des enfants. J'ai chargé dans leur gâteau. J'ai posé le reste au congélateur. Donc, j'ai donc sorti ça tout à l'heure. On va manger avec le bâton de manioc. En attendant que ceci dégive. Ça, c'est le repas d'aujourd'hui. En attendant que ça dégive pour que je chauffe. Aujourd'hui, c'est journée flemme. Je cuisine pas, je fais rien, je chill. Aujourd'hui, là, je me couche sur mon dos et je fais reposer mon dos tout dé. Comme bébé est passé au lait de croissance, j'ai pris Bledi lait croissance. Mes copines ne font que me conseiller de retourner avec Nido croissance. Pour mes deux filles, c'était Nido croissance que j'avais utilisé, mais je voulais changer un peu. Ce sont les mêmes prix, hein? 3500 ceci et Nido croissance c'est 3600. Voilà. Bon, je commence d'abord avec Bledi lait. Je voulais un peu changer pour voir. Pour bien grandir. Fer, vitamines, oméga 3, calcium. Bon. Là, je suis en train de faire refroidir sa bouillie. Ici, c'est sa bouillie de maïs soja. J'ai ajouté un peu d'eau et mettre 2 cuillères de lait. Comme bébé ne se sent pas bien, elle ne mange vraiment pas bien. Quand c'est à la cuillère, elle prend mais elle se fatigue vite d'ouvrir la bouche, prendre, essayer de mâcher, elle se fatigue vraiment. Là, depuis le matin, elle est en train de manger comme ça, au biberon. Vous savez, les enfants qui mâchent partout là, ramassent des choses, mettent dans leur bouche et ça leur fait mal au ventre. Ayez les braves filles aînées. Tu as une brave grande sœur, non? Non? C'est ma fille aînée qui a fait le chant. Nettoyer, ranger. Hein? Les sacs de classe sont là. C'est même sale. Mais j'ai bien peur que lundi, elles iront encore à l'école avec ça. Ou elles changent. Prennent l'autre sac, c'est propre. Bon. Donc, elle a fait le lit. Voilà, voilà, jusqu'à faire la déco. Aïe, aïe, aïe. Jaël était en train de dormir, voilà pourquoi j'ai tout enlevé et mettre ici. Maman. Les bâtons ont fini de chauffer. Et c'est ma petite maman qui va servir. Tu découpes comme je t'ai montré à ma fille. Tu mets dans l'assiette puis tu mets la pâte. 2 assiettes, c'est suffisant pour nous tous. On mange dans les mêmes assiettes. Hum, ça marche? Tu es d'accord? Tu dis? On est 2 bâtons, non? Ça peut aller 2 pour nous, 3. Et si j'arrive à manger ça? Elle mange la pâte simple. Prends le couteau, ma fille, tu découpes. Pendant que tu découpes, ça refroidit et après tu épluches. Tu peux même découper, tu laisses d'abord, ça refroidit et puis tu peux même d'abord laisser comme ça. Ça chauffe encore, non? Laisse refroidir. Voilà, tu ne dois pas te brûler. Laisse refroidir et tu ranges un peu le plan de travail là. Tu mets chaque chose à sa place. Le lait déjà, que j'ai laissé là-bas là, tu enlèves. Même la bouillie dans le thermo, ce n'est même pas sa place là-bas. Voilà. Je forme Dana et elle est très réceptive. Elle écoute et applique bien ce que je lui dis et je suis vraiment contente.
Finalement, la bouillie de bébé a refroidi. Là, je suis assise en train de lui donner. Et les bâtons de manioc ont chauffé. Dana a servi tout le monde. Là, c'est notre petit instant à table. Quand j'ai fini de donner la bouillie à bébé, je lui ai aussi donné de l'eau. Parce que généralement, après avoir pris sa bouillie, comme c'est très lourde là, elle demande de l'eau. J'ai donc débarrassé. Et en revenant de la cuisine, j'ai porté le reste de pâtes et de bâtons. Bref, ma part que Dan avait laissée. J'ai porté direct dans la marmite pour vider, pour manger une fois tout. Et entre temps, ce que j'ai sorti du frigo pour qu'on mange après était toujours en train de dégivrer. Ça, c'était vraiment une journée remplie de repos, de jeux avec les enfants et de bons moments en même temps. Il est important de se reposer. Ce n'est pas qu'on est paresseuse, hein. Ce n'est pas forcément qu'on est flemmarde, mais on décide de se reposer. La maison ne nous commande pas à l'heure là. On a bien qui. Aïe. Tu me connais, on met le machin dans la bouche. Maman, qu'est-ce que tu Elle est montée sur la chaise. Il y a un coup pour tomber. Et tu descends. Et puis que tu connais descendre là. Aujourd'hui, c'est la journée des écrans. Dana est assise ici avec la tablette. Tu regardes quoi? Elsa est assise là-bas avec le téléphone. Chacune regarde les Tintin. Et maman est posée au calme devant un film sur TMC. Et Jaël a l'espace pour jouer. Pour jouer avec Doudou. Tu as l'espace là-bas pour jouer. La voiture de Jaël, si là, doit aller chez ma mère. C'est même sale. Il faut que je nettoie et ça retourne chez maman. Parce que c'est maman qui l'a acheté. Je ne peux pas me permettre de l'offrir à quelqu'un. C'est maman elle-même qui va offrir à quelqu'un vu que c'est la grand-mère de beaucoup de bébés. Donc, je vais lui remettre sa chose parce que maman est déjà toute grande. Tu es déjà toute grande, non? Tu es déjà toute grande, non? Tu vas encore entrer là-bas des dames. On dit Et ça fait quoi? Regardez les ting-ting. Les enfants étaient fatigués de jouer. Elles sont parties toutes dormies, toutes les trois. J'ai fait un petit ménage dans la maison et je me suis dit, peut-être il faut que je profite pour sortir un peu, me changer des idées. Je me suis lavée, je me suis apprêtée, je suis sortie. Je suis allée chez l'opticien pour mes lunettes. Vu que j'étais déjà chez l'ophtalmologue qui m'a donné l'ordonnance avec tous les modèles et tout. Je suis allée chez l'opticien, j'ai mesuré les cadres et finalement j'ai choisi les lunettes.
J'ai changé les lunettes pas parce que mes lunettes étaient périmées, non, mais parce que ça avait déjà fait 3 ans, c'était flou. La nouvelle paire de lunettes-ci est vraiment plus claire. Je vois mieux avec l'ancienne paire que je ne portais même plus parce que c'était devenu flou. Malgré que je nettoyais, c'était devenu quand même flou. Donc j'ai récupéré les nouvelles, j'ai porté directement et les testé en route ce jour. Les anciennes chez l'opticien, ils ont bien nettoyé et c'était propre. Donc en réalité, ça me fait deux paires de lunettes parce que ce n'est pas périmé. Sauf qu'il faut que je nettoie bien régulièrement. Cette journée s'est terminée par un dé. La journée s'est terminée pas comme elle avait commencé en fait. Cette journée a commencé tellement bizarrement. J'étais fatiguée. J'étais même à mot de plainte, quoi. Finalement, ça s'est achevé par un restaurant et une balade. J'espère que cette vidéo vous a plu, les copines. J'espère que cette vidéo vous a motivé, hein? J'espère que cette vidéo vous a aussi diverti. Et je tiens à vous dire merci pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça me motive énormément. Merci à vous toutes les copines. Merci infiniment à tous les papas qui viennent sur ma chaîne pour m'encourager. Merci beaucoup. À la fin de cette vidéo, je vous fais découvrir un peu un endroit de Yaoundé. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour celles qui connaissent où je suis, là où je me trouve. Alors, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!